C'est lui. Donc, j'ai rencontré Richard, j'avais 16 ans. Et moi, je m'en allais religieuse, hein, définitivement. Mais quand j'ai rencontré Richard, ce n'était pas prévu. Et il y a eu là quelque chose qui s'est passé. Et comme j'ai dit, lorsqu'on s'est rencontrés là, chez Hugo, ce fut la rencontre de deux hommes qui se connaissaient. Il y a quelque chose là qui s'est passé que j'ai été l'invitée dans cette photo. C'est moi qui ai pris l'initiative là, 37 ans. Ça ne se faisait pas nécessairement dans ce temps-là, puis pour la religieuse que moi j'étais, il fallait le faire. Donc, lui était au service de bar, toujours dans une affaire d'église, et je me présente au comptoir et je l'invite à danser. Il vient danser avec moi parce qu'il m'avait intriguée. Lorsqu'il est rentré, il y a quelque chose qui a capté mon intérêt, qui a capté mon attention. Et on a dansé ensemble, et là, c'est ça, il y a quelque chose, il y a une énergie qui s'est passée où le temps s'est arrêté. Et à partir de ce moment-là, on a eu un besoin, on dirait, l'un l'autre, d'être ensemble. Lorsque on s'est mariés, j'avais 19 ans. Et j'ai pas pensé, réfléchi plus loin. Moi, c'était de là, OK? J'ai dit, le jour, si... J'ai décidé de ne pas aller en religion et d'aller, de choisir l'amour, c'est parce que c'est là que ça me disait. Ça disait, non, c'est pas ma voix. C'est celle-là, ma voix, je vais l'écouter. Je me suis pas posé de questions. Et je me suis embarquée dans cette aventure à l'aveuglette parce que ça répondait à mes critères. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'une personne qui a du caractère. Parce que sinon, c'est pas long qu'il va mourir à côté de moi. Moi, je suis quand même, je suis iroquoise, la pire race des autochtones qu'on peut avoir, okay? Donc très sauvage, avec un caractère de chien. Si j'ai pas un homme de caractère, c'est sûr qu'il est mort. Moi, je vais l'écraser, moi, l'enterrer dans la ligne, là, ça n'a pas de bon sens. Il y avait du caractère. Ça transparaît pas nécessairement. Mon Dieu Seigneur, cet homme-là, il a un caractère extraordinaire. La preuve, tout le monde avait peur de ma mère. Et c'est le premier qui est venu à la maison et qui ne s'est pas laissé impressionner par ma mère. Puis moi, j'ai dit, oh, yes! Jouissif. C'était jouissif. Extraordinaire. Fait que ça, c'était un trait de caractère. Ça répondait à mes besoins. Et le fait que je me sentais bien, je me sentais en confiance, je me sentais respectée et je me sentais aimée et importante. Quelqu'un qui voulait mon bonheur. Donc, c'était ça mes critères. Le restant m'importait peu. Et donc, j'ai choisi, on s'est mariés. Pour moi, c'était peu important de me marier, mais pour lui, c'était très important. Donc, voilà, on vit. Bon, donc on s'est mariés. Et en cours de route, mes visions ont changé parce que ce que j'avais prévu que j'étais pour faire, tu sais, on dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plats. Ben, c'est ça. Tout ce que j'avais pensé pour ma vie s'est complètement écroulé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et moi, je voulais aller en droit. Quand j'ai commencé le droit, je me suis aperçue que c'était vraiment pas ma place parce que je suis du type un peu justicière. Okay? Dans le sens que, surtout à cette époque-là, le côté justice était très très fort chez moi. Ben, s'il aurait fallu que je perde une cause parce que j'avais fait une erreur de papier et que j'ai oh mon Dieu Seigneur, j'en aurais tué un. J'avais tellement de rage et d'agressivité en moi. Il ne prenait pas grand-chose, une étincelle pour m'allumer. Et c'était trop puissant. J'aurais tué. Là. Non, je ne peux pas aller là. C'est impossible, je ne peux pas aller là. Je me mets en danger. Là. C'est sûr que je vais en tuer quelqu'un à un moment donné. Donc, je me retrouve que je ne sais plus quoi faire de ma vie. Et lui voulait des enfants, il en aurait voulu 12. Je ne vois pas l'os. On commence à faire des enfants. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Et un enfant par-dessus l'autre, bac à bac. Fait qu'avant 25 ans, j'en ai 3 déjà. Mais je trouve ça dur. Parce que, en fait, quand on s'est mariés, le besoin que j'avais qui était là, c'était le besoin d'être aimée et le besoin d'être importante. Et c'est ce qu'on appelle, dans le côté autochtone, en tout cas pour notre couple à nous, c'était la phase libellule. Okay? Donc, c'était parce qu'on a 4 animaux totems. Il y a toujours 4, c'est toujours un chiffre de 4 pour le cercle, okay? Qui représente, dans le fond, l'aurore,
l'est, la naissance du couple, la naissance de l'amour et tout ça. Fait que c'est le côté libellule qui nous représente le plus. La libellule, elle nous représente tout le côté illusoire, rêve, innocence, ce que j'étais complètement, et intuitif, parce que tu sais, moi j'ai juste le coup, go, on y va, on réfléchit pas plus que ça, on s'embarque. Mais c'est aussi, la libellule, c'est l'adaptation, c'est la transformation, c'est, fait que ça, ça marche pas, ok, on vient de voir, on fait ça, fait que ça a été cette étape-là de notre vie, l'étape libellule. C'est en fait des enfants, on commence, on fait ça. Mais en même temps, j'ai pas trouvé dans ça, parce que j'ai pas réfléchi, il faut le dire aussi. Ça n'a pas été fait parce que j'en sentais le besoin. J'ai pas fait des enfants parce que c'était ça. Et malgré que je me suis découvert vraiment un instinct maternel que je ne croyais pas du tout avoir, j'ai adoré l'expérience d'avoir des enfants. Mais un autre besoin est né qui a crié beaucoup plus fort, que j'avais un besoin de réalisation, j'avais un besoin de reconnaissance, j'avais un besoin de m'épanouir professionnellement, et ça ne me donnait pas satisfaction de que élever des enfants. Pour moi, c'était pas suffisamment nourrissant, et c'était de sacrifier une partie de moi, de mes besoins, que de rester à la maison. Donc, j'étais en train de mourir complètement à la maison. Et vu qu'on a toujours eu l'un l'autre, vouloir le bonheur de l'autre, donc il dit, ben écoute, si tu as besoin, ben vas-y, va travailler. T'sais. Sauf que c'est pas je voulais aller travailler, je voulais mon entreprise. Je savais pas que j'étais un entrepreneur à l'époque, c'est pas comme ça que ça se disait, tu étais commerçant. Fait que tu étais commerçant ou tu n'étais pas commerçant, tu étais employé. Moi, je voulais avoir ma propre business parce que je suis difficilement gérable. Il faut dire ça comme ça, un peu ma belle. Fait que déjà, à 17 ans, quand je travaillais en entreprise, j'étais quelque chose. Okay? Mes anciens patrons pourraient vous en parler, même encore aujourd'hui, je vous le dirais. Et donc, je décide de partir une entreprise. Là, je ne vous ferai pas l'histoire de tout ça parce qu'on n'en sortira pas. Ah non, on est là jusqu'à 3h du matin. Oui, c'est sûr qu'on y reste. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, c'est pour vraiment répondre à mon besoin. Sauf que ce besoin-là, lui, il est d'accord avec ça parce que, à quelque part, il est aussi entrepreneur. Dans le sens que il fait des jobs, à part sa job, il fait des job-in parce qu'il est menuisier, il est ébéniste, tu sais, tout ça, il fait des jobs comme ça, fait que c'est déjà ce que c'est. Fait que tu veux te réaliser, il fait « ok, go ». Mais moi, dans mon idée, pour moi, mon besoin, c'est de me réaliser. J'ai besoin d'avoir de la valorisation à travers ça, de me sentir utile. C'est pour ça que je le fais. Lui, c'est pas ça qu'il pense. Son besoin à lui, en « go, vas-y », c'est d'aller chercher un prestige, c'est d'aller chercher beaucoup plus un patrimoine pour les enfants. T'sais. On fera 2, 3, 4 commerces, ils auront chacun leur commerce pour avoir le job. De quoi tu penses? Non, non, moi je ne fais pas ça, là. C'est pas ça que je veux. Fait qu'on a deux visions complètement différentes, mais je pars en affaires, il part avec moi parce que naturellement il injecte les fonds, moi je suis à la maison, on a plein de bouts, là. Je suis là pour élever les enfants, sauf que quand on est ensemble, dans les premiers, en tout cas, ça fait presque 40 ans quand même, ce que je pense, ce qu'on pense, c'est que quand on est en couple, on devient une fusion. On devient une équipe, mais l'équipe n'est pas un plus un. L'équipe est, on ne fait qu'un maintenant. C'est un peu le, je ne sais pas si vous avez cette pensée-là aussi, mais en tout cas, moi, je l'observe, je le vois généralement un peu partout, que quand on est en couple, ben maintenant, on est un. Maintenant, on est fusionnel. Donc, on part ensemble en commerce, en affaires. On tombe dans la phase 2 du couple, qui est la phase castor. La phase castor, le castor, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le castor, c'est très typique au Canada. Le castor, c'est le travailleur. C'est celui qui va veiller vraiment aux besoins de la famille, qui va s'assurer qu'il manque de rien, qui va travailler, les autres, etc.
le commerce, pour ceux qui sont commerçants, y a-t-il des commerçants ici? Y a-t-il des entrepreneurs ici? Levez la main s'il y a des entrepreneurs. Il y en a quand même quelques-uns, j'imagine. OK. Fait que vous savez qu'on n'a pas d'heure. Hein? On est 24 heures sur 24 dans le cerveau, ça roule comme ça. 7 jours sur 7, ça n'arrête pas. Hein? C'est continuellement. Faire tranquilliser ça, c'est quelque chose. Hein? Fait que le commerce, quand tu es à ton compte, même si tu arrêtes à 5 heures ou que tu arrêtes à 9 heures ou que tu rentres chez vous, tu fais juste penser, réfléchir, tu as de la misère à décrocher. Hein? Ça, c'est pas nécessairement toujours facile. C'est pas toujours nécessairement évident. Et on devient isolé, on devient seul quelque part parce que notre partenaire, soit on est abstinent, soit il comprend pas ce qu'on vit. Il faut se trouver un réseau, il faut se trouver des gens qui vont comprendre notre langage, qui vont comprendre les difficultés, qui vont comprendre ce qu'on vit. Fait que là, on commence à comprendre aussi qu'on n'a pas à tout partager, à tout fusionner avec notre partenaire. T'sais? Mais ça reste que, bon, je reviens avec mon castor. Fait que le castor, c'est son rôle et on est en plein là-dedans. On travaille. Mais on travaille. On est en construction pour la maison. On a un, deux commerces. Fait que les commerces s'enchaînent, s'enroulent. On a trois enfants, le quatrième s'en vient. Fait que ça roule là. On est occupé. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça représente comme heure de travail. Mais fait que donc, on s'étourdit dans le travail. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est en fuite, en fait. Et que le couple, s'il est encore vivant, malgré qu'on n'a plus de couple ou à peu près, parce qu'on se croise, on se voit presque plus, on est tellement occupé dans les obligations qu'on a quelques moments qu'on peut voler par-ci, par-là, et qu'on ne se rend pas compte qu'on a des besoins non satisfaits. Jusqu'à ce que la vie t'emmène, à un moment donné, des circonstances pour faire « wake up ». Il y a quelque chose, il va falloir qu'à un moment donné, tu t'occupes des besoins sont là. Tu ne peux pas juste toujours fuir dans le travail et t'étourdir. Arrive la phase 4, la phase 3, la phase 3, la phase 4, ça. Donc, arrive la phase 3, qui est la phase loup. Okay? Fait que le troisième animal totem, c'est le loup. Parce que le loup est là pour... En fait, l'intuition, pour les choix, pour prendre conscience, se retrouver, c'est la loupe, c'est celle qui va protéger sa meute, mais c'est celle qui va pister, c'est celle qui va voir, qui va observer. Donc, ça demande un regard sur soi, ça demande à s'arrêter, à analyser, à s'observer. C'est à peu près ce qui se passe. Okay? Et les circonstances de la vie nous emmènent toujours ce qu'on a besoin dans les bons temps. Puis à chaque étape, c'est utile parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre sur nous. Autant dans le commerce, parce qu'on a plein de relations avec d'autres gens, que dans la relation de couple, qui est notre effet miroir, hein, c'est notre déclencheur principal. On est là ensemble pour apprendre, mais apprendre à se connaître. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Mais là, on est tellement étourdi dans le travail qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe pour nous. On n'a pas conscience du manque que l'on vit et du besoin qui est non répondu. Et là, ce qui commence à crier de plus en plus, c'est « Liberté! Liberté! J'en peux plus! J'ai besoin d'air! J'ai besoin de temps! Je me sens envahie autant dans la tête, dans mon temps, dans mon espace, dans les enfants, dans mon horaire, dans tout est envahi, mais de partout. Mais qui s'est laissé envahir? C'est moi! C'est moi qui se laisse envahir, mais c'est pas ça que tu vois quand t'es pas conscient, c'est la faute de tout le monde! Parce que, comme Sylvie disait, hein, les émotions, on garde ça vers l'extérieur quand on n'a pas conscience. De prendre cet espace-là et d'en faire conscience, l'étape 3 arrive. Donc, c'est là qu'arrive pour nous la croissance personnelle. Et ça arrive d'une façon extraordinaire. C'est lors d'un tournage, justement, à la boutique, au commerce, que j'ai une des
des animatrices qui m'avaient invité sur son émission, ça faisait trois fois, ils sont venus faire un tournage au magasin. Et ils passent la journée, hein, quand ils viennent faire un tournage, c'est très très long, pour trois minutes, là, c'est fou. Là. Et il faut qu'on ait le temps de jaser. On jase, on jase, on jase. On discute. Et elle me dit, écoute Chantal, t'aimerais sûrement ça, faire cette formation-là. Et elle me parle du Centre de relations d'aide de Montréal. Et c'est là que je commence ma formation de thérapeute. Ça fait déjà quelques années que je suis en commerce. Je roule énormément. Je me brûle parce que j'ai énormément de succès à l'époque. Ça roule très fort, mais je ne suis plus capable. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis brûlée, mais vraiment brûlée. Je dois trouver quelque chose. J'adore mon travail. C'est la seule valorisation que j'ai. C'est ce qui me maintient en vie, mais en dedans de moi, je suis morte. En dedans de moi, je suis malheureuse. En dedans de moi, mes besoins ne sont pas comblés. Mon premier besoin de départ, c'était d'être aimée, c'était d'être importante. On s'est perdu dans ce flot de travail où on a perdu ça à quelque part de vue. L'autre besoin qui est apparu quand on a ouvert le commerce, c'était le besoin de se réaliser, c'était le besoin de valorisation. T'sais. Encore là, oui, je vais en chercher une partie, donc je me nourris, mais c'est largement insuffisant. Quand je commence la croissance personnelle, je commence cette formation-là, je me rends compte que, parce que je le fais d'abord pour ma clientèle, hein, donc on n'est pas conscient encore, là. Mais jour 1, la première fin de semaine que je fais là-bas, je me rends compte, là, ça me saute au visage, que c'est pas pour ma clientèle, c'est pour moi. C'est moi qui en a besoin. C'est moi qui est en train de mourir. C'est moi qui a besoin d'air, c'est moi qui a besoin d'oxygène, c'est moi qui a besoin d'apprendre à exister. J'ai besoin d'apprendre à m'occuper de moi. Mais j'avais acheté la conviction que on n'y peut rien. C'est ça la vie. Hein? Notre enfer, on le vit sur Terre. Moi, j'ai été élevée dans la région, là. Hein? Fait que toutes ces croyances-là, je les ai emmagasinées. Et c'est dur, la vie. Hein? La culture traîne au calvaire. Je suis là-dedans. Sauf que là, en commençant cette formation de croissance personnelle-là, pour la première fois de ma vie, je réalise que j'ai le pouvoir sur moi. Que j'ai le pouvoir sur ma vie. Que je peux décider et non pas subir ma vie. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. J'ai pris un an. Mais là, pour la première fois de l'histoire de notre vie, je n'ai pas l'appui de mon conjoint. Là, il n'est pas d'accord. Là, il n'est pas avec moi, mais pas du tout. Parce que là, il est déclenché dans ses peurs. Pourquoi? Parce que notre croyance, c'est que on est fusionnel. On se suffit l'un l'autre. On a besoin l'un l'autre. Ton bonheur dépend de moi. Mon bonheur dépend de toi. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait. C'est faux. Mon bonheur dépend de moi et je suis avec toi. Donc, a commencé la diffusion. C'est là que ça a commencé. Puis ça, c'est extrêmement insécurisant parce que tu es habitué de fonctionner ensemble, d'être fusionnel. Puis là, tu réalises que le pouvoir sur toi, bien c'est ça, c'est sur toi. Il faut que tu lâches le contrôle, de tout contrôler, de tout vouloir mener partout. Parce qu'en fait, si tu contrôles ton extérieur, c'est parce que tu ne contrôles pas ta vie. Et si tu ne contrôles pas ta vie, c'est ça, c'est que tu n'as pas le pouvoir sur toi. Mais là, je viens de goûter à ça. Je goûte à ça pour la première fois de ma vie et ça goûte tellement bon, j'en mange. Et je suis insatiable. Mais là, lui, il prend pas. Tu n'auras plus besoin de moi. Tu vas me domper. Tu vas réaliser que moi non plus, là, tu sais, je ne vaux rien. Je ne suis rien. Mais à travers toute cette année, la première année, ce qu'il observe, c'est qu'en fait, je redeviens heureuse. La vie renaît en moi. Puis, ses peurs tranquillement s'estompent, mais il se fait silencieux pendant un an, je vous dirais qu'il n'était pas là. Mais j'ai continué, mes enfants m'appuyaient. Ah, maman, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? J'avais ça, j'avais l'appui des enfants, ça, c'était fantastique, c'était extraordinaire. Mais lui, il avait peur. Jusqu'à ce que
quand je suis revenue de mon stage de première année, il m'a dit, je m'excuse, tu sais, j'ai pas été là pour toi cette année. Mais j'avais peur. J'avais peur que tu me laisses. J'avais peur que tu n'aies pas besoin de moi. J'avais peur que tu sois heureuse puis que j'en sois pas responsable. Que ce soit pas à cause de moi que tu sois heureuse. Puis ça, ça m'insécurisait. Mais ce que j'ai observé, c'est que t'es bien, t'es heureuse, mais tu ne me rejettes pas plus pour autant. Parce qu'à travers ça, ce que j'ai appris, c'est qu'en lâchant le projet sur l'autre, puis en mettant le miroir vers moi, ça lui donnait la liberté, lui, de pouvoir avancer. Sinon, c'est impossible. Fait que là, il me dit, toujours avec beaucoup de larmes et d'émotions, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais est-ce que ça serait peut-être mon tour aussi d'être bien, puis d'être heureux? Qu'est-ce que tu en penses si j'irais aussi faire la première année? Donc, il est parti faire son cours de thérapeute, lui aussi, en première année. Je l'ai attendu un an. Ça, c'était terrible. J'ai trouvé ça dur parce que j'en mangeais. Mais j'ai vécu cette année-là avec lui. Donc, la diffusion s'est faite à partir de ce moment-là. Et on a appris tous les deux à reprendre chacun le pouvoir sur nous-mêmes. On avait toujours les commerces. On a pris... Ben, en fait, c'est pas vrai. Quand que j'ai commencé ma première année, j'ai tout fermé. C'est drastique, mon affaire, quand je prends une décision. Là, j'ai mon voyage, je suis en train de me tuer. Là, j'ai moi qui ai besoin d'aide. Ben voilà, je me concentre là-dessus. Fait que j'ai vendu un des commerces, j'ai fermé l'autre parce qu'il n'était pas question que personne reprenne ça. C'est mon bébé. Personne ne touche à ça. Fait que je l'ai fermé. En attendant, je dois voir qu'est-ce que je ferai avec ça. Fait que, donc, il fait sa première. On s'en va en deuxième ensemble. Donc, on a commencé à évoluer ensemble de cette façon-là. Puis ça, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Mais je ne l'ai pas obligé. J'y ai pas demandé. Le laisse en lâchant prise sur lui, c'est ce qui a popé. C'est ce qui est arrivé. Et ça a été sa demande. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les années avancent. Ça évolue. Il y a d'autres commerces qui ont des... Il y a des commerces qui se sont fermés, qui n'ont pas fonctionné. Il y en a d'autres qu'on s'est planté complètement. Il y en a d'autres que ça a bien fonctionné. Tu sais pas où tu t'en vas. Mais c'est toujours de l'apprentissage. C'est toujours de l'expérience qu'on fait. Jusqu'à ce que... Puis ça, vous allez le voir si vous lisez le livre. Je ne gâcherai pas le punch parce que ça va à peine. Voilà 3 ans. J'ai eu 50 ans, là, 3 ans, mais j'ai 53 ans. La crise de la cinquantaine! Ça, c'est quelque chose. Toi, j'ai eu une crise de quarantaine. Ça a été pas pire. Et même la crise de la cinquantaine a été quelque chose. Franchement, là j'ai un autre besoin qui a popé parce que quand tu es en croissance personnelle, que tu travailles sur toi, que tu fais remonter un petit peu tous tes bobos, que le passé revient, remonte à la surface, qu'il faut que tu fasses le mélange de tout ça et la paix avec bien des affaires, ben. Je me suis aperçue que j'y en voulais pour bien des affaires. Puis en fait, quand t'en veux à quelqu'un, c'est à toi que t'en veux. Hein? Mais c'est bien plus facile d'envoyer ça sur l'autre. C'est de récupérer tout ça tranquillement, un à un. C'est de la job. Hein? Ça fait quelque chose, mais c'est fantastique. C'est une belle expérience. Ce qui nous emmène quand même à la dernière phase du cercle de et du couple, parce que ça recommence, c'est un perpétuel recommencement, c'est un flot qui est la phase du cheval. Parce que le cheval, c'est la liberté. Et là, le besoin, ce n'était plus d'être aimé, ce n'était plus d'être importante, ce n'était plus d'être valorisé, ce n'était plus de s'accomplir. C'est plus ça le besoin quand tu es rendu là. Le besoin, c'est de s'aimer. C'est de s'accorder de l'importance. C'est de s'accorder de la valeur. Ça vient de virer le bord. Fait que ce que j'attendais de l'autre, je l'ai récupéré. J'ai récupéré mon pouvoir. Et lui, c'est vraiment... Aujourd'hui, je vous dis, on a vraiment du plaisir à évoluer dans cette croissance personnelle-là qui continue, parce qu'on est capable de se le dire l'un l'autre maintenant. Oh, t'es pas mal en défensive, là, hein, là, franchement, là, tu m'ouvres. Puis il est capable de me le dire aussi, je vais être capable de l'entendre.
faut être capable de le prendre. Fait que d'être capable de se dire, d'être capable de s'entendre, c'est fantastique. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. En fait, c'est ce que tout le monde dit, la complicité. La complicité que l'on cherche tant. En fait, là, c'est comme si on escaladait un mont, le mont Everest, mais la complicité, c'est le sommet. On veut arriver en haut, mais en partant. Tout de suite, là. Ben, si c'est ça que vous voulez, prenez l'hélicoptère. Si tu te rends tout de suite en haut, puis regardez le paysage, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content? Ben non. Parce que le plaisir, c'est de l'escalader. C'est le dépassement. C'est toutes les épreuves que vous allez vivre en cours de route. C'est tout l'échange, le dialogue que vous allez avoir, enfin, ce que vous allez apprendre tout au long de ce voyage-là, et la complicité au jour, le jour que vous allez développer avec les autres, avec votre partenaire, qui va faire que quand vous allez arriver au sommet, vous allez goûter à ce plaisir de dire « J'y suis arrivée. Je suis là. » Puis ça, ça goûte bien. Ça, c'est extraordinaire. Puis c'est ce que je fais à travers mon septième ciel. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon septième ciel. C'est un programme que j'offre en fait en ligne pour les couples et les individus maintenant. Parce que là, je vais changer ça. Je vais faire deux septième ciel. Un monté au septième ciel pour la pointe de l'iceberg, en fait. Hein, c'est tout ce qui s'appelle problème sexuel. Ça, c'est la règle du problème sexuel. Si tu ne veux pas voir ce qui se cache en dessous. Parce que l'iceberg, on le sait qu'il est beaucoup plus gros en dessous. Hein. On n'est pas nécessairement prête à aller voir ce que ça cache. Que j'ai les deux. OK, on peut travailler le haut. Si tu vas aller voir en bas, on va aller voir en bas. Fait que c'est là qu'on travaille dans les blessures et tout ça. On s'amuse énormément. C'est ça. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Fait que voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez